Bonjour Monsieur Sol, j'espère que vous allez bien. Moi très bien. Aujourd'hui même, à l'instant même, j'ai reçu ma petite box du petit colis. Du coup, vous voyez, je ne l'ai même pas ouvert. J'avais envie de me spoiler, mais là, pas du tout. Je ne l'ai pas fait. Du coup, on va attendre. Je vous attendais. Du coup, j'étais en train de finir de faire le montage de ma vidéo pour la semaine prochaine. Voilà. Je suis en train. Il y en a une qui est en train de se mettre sur YouTube et l'autre est en train de. J'ai refait une deuxième montage de vidéo. Ça me prend un temps fou. Pourtant, j'ai déjà fait des trucs chez moi. J'ai fait deux montages. Je suis contente. Mais qu'est-ce que bosse aujourd'hui? Bon, c'est pas un vlog, c'est une ouverture. On va s'ouvrir ça. Je l'ai eu d'un coup. Et du coup, regardez là, hop, j'ai peur de me spoiler, on va essayer de pas spoiler, hop, je vais mettre mon clavier comme ça, je ne vais pas regarder, je vais juste regarder parce que ça se déchire, je ne regarde pas, je prends le premier thème, oh c'est un bloc-notes, crêpe papy. Oh, un petit bloc-notes. Il est petit, mais. Excusez-moi. Un petit bloc-notes. Trop chouette. En plus, j'aime bien le contour. Je sais même pas si ça présente des petits oiseaux. Ouais, ça a l'air d'avoir des petits oiseaux. C'est tout. Du coup, je ferme les yeux parce que. J'ai les livres en premier. J'ai rien d'autre. Je prends le premier. Le 2, j'ai le tome 1 dans ma palle Percef additif tome 2 de Claudia Tac chez le livre de poche jeunesse. Voilà, j'ai le tome 2 dans ma palle, je sais pas où il est. Il faudrait que je m'y mette. Oui, bon, du coup, je vais pas vous lire la description du tome 2. Ce serait pas top top. Vous pensez pas? Si je vous dis le tome 2, je ne sais pas de quoi ça parle le premier. Du coup, voilà. Je n'ai pas encore lu. Et le deuxième qui est. Ah, Emma. Non, c'est Virginie Grimaldi. Et que. Attends, je vais retirer ce truc-là. Nouveau. Ouais, il vient de. C'est. Et que ne dure que des moments doux. De chez le livre de poche, je crois que je l'avais mis dans mon. J'en ai pas mal d'elle que j'ai toujours pas lu non plus. Et très beau. J'ai retiré le bandeau. Du coup, ça parle de quoi? D'une vient de donner naissance à sa petite fille. Je suis désolée si vous entendez les scooters. Mais je suis obligée de laisser ouvert. L'une vient de donner naissance à une petite fille, arrive très tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands-enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien Falfolu. D'un endroit à apprendre. Être mère temps plein, d'autres do doivent apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de ce moment qui donc bascule une vie de ce vague d'émotions qui balance tout sur leur place et leur. Tout sur leur passage et ces rencontres indélébiles qui changent un destin, un merveilleux tendresse. Voilà, moi pourquoi pas? C'est écrit assez gros, bien sûr. C'est pas une double page, c'est une double page, une double page. Le chapitre a l'air petit quand même. Voilà. Alors, on a le petit marque-page qui est trop mignon. Je l'aime bien.
Et ce qui est écrit, lire, c'est éprouver ce temps sublime et une minute de soi. Par contre, il faudrait que je leur demande de rétrécir là, parce que je les aime bien, mais regardez si vous le mettez dans un livre de poche, hein. Au moins diminuer la taille, hein. Il faudrait que je leur fasse un mail une fois pour faire. Et du coup, on a la petite gazette. Plus rien dedans que je mets à côté. On a la petite gazette comme ceci. On n'a pas assez. Surprise du mois, un bloc-notes. Découvrez dans votre petit colis de juillet une chouette bloc-notes. Oiseaux de papier crayonné chez Cray et papier. Un objet joli et utilisé parfait pour votre bureau ou pour prendre des notes à votre lecture. Voilà. Après, vous avez, c'est vrai que je ne demande pas. Là, vous avez le détail de du petit, je sais même pas où il est, là en dessous des deux livres, du petit bloc-notes. C'est bien des oiseaux, c'est ce que je me disais. Là, les gens qui aiment le petit colis. Là, les prochains coups de cœur par Amélie Miss Sélection. La box d'édition spéciale. Après, on a parole d'auteur. Acteur. Vous avez plein de petits livres qu'on vous donne à peu près. Et ici, c'est quoi? Tout le monde. En voyage, Santorio. Voilà, il y a des bouquets, des trucs de livres. Et là, c'est félicitations à Magali Racco qui remporte le concours du nouvel Entre-deux-mondes. Voilà. Voilà, vous avez des petites gazettes, c'est bien, voilà. Voilà pour les deux petits bouquins. Ça tombe bien, celui-là, j'avais le tome 1 dans ma palle. Celui-là, je pense que je l'avais, oui, dans ma liste. Et je le vois, je viens d'appuyer sur le, dans ma liste. Du coup, voilà, c'est un que je voulais. Du coup, c'est le top. Je peux le rajouter dans ma pile à lire. Celui-là. Enfin, c'est celui-là qui était dans ma pile à lire. Enfin, dans ma souhaitée. Du coup, il faut que je le rajoute dans. Je l'ai chez moi. Pile à lire et possède chez moi. Voilà, comme ça, c'est déjà fait sur. Je vais les remettre sur Livre Addict. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!